Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment partager l'écran d'un élève via l'application en classe. Donc, en ouvrant l'application en classe, juste ici, je vois que j'ai deux élèves au travail et j'aimerais partager l'écran de cet élève-là pour qu'il nous explique comment il fait dans Toontastic. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner mon élève, puis je vais sélectionner l'option AirPlay. Donc, il faut absolument que l'appareil de l'élève soit sur le même réseau que le Apple TV en question. Donc, on voit ici mon Apple TV. Donc, il me suffit de le sélectionner. Et je dois rentrer le mot de passe qui s'affiche présentement en mode AirPlay sur mon Apple TV. Puis, je fais OK. Donc, l'appareil de l'élève s'affiche maintenant sur mon écran en classe via le Apple TV. Donc, vous marquez ici que je vois AirPlay en dessous de l'écran de l'élève en question. Si je vais arrêter la projection, j'appuie ici et je fais désactiver AirPlay. Voilà. Il est aussi possible d'utiliser LedView via son ordinateur d'enseignant, de le connecter à notre projecteur de classe et de projeter l'appareil d'un élève via notre portable. Donc, pour ce faire, je sélectionne l'appareil en question. Je choisis également AirPlay, mais cette fois-ci, je vais choisir le LedView qui porte mon nom. Donc, je suis en train de me connecter à LedView qui est démarré sur mon portable d'enseignant. On me demande d'entrer le mot de passe. Donc, je vérifie dans LedView et j'entre le mot de passe en question. Une fois que c'est fait, j'appuie sur OK. Voilà, l'écran du iPad d'élève est projeté au TNI via LedView qui fonctionne sur mon portable d'enseignant. Arrêter la projection du iPad élève, il suffit d'appuyer ici et de sélectionner désactiver AirPlay dans les choix qui sont offerts. Voilà, c'était comment projeter l'écran d'un iPad élève via l'application en classe.